Les esprits chagrins diront que les grandes villes sont toujours en chantier perpétuel. Mais plutôt que d'y jeter un regard pessimiste, il vaut mieux rêver de ce que ces échangeurs vont apporter une fois qu'ils seront achevés. En ce qui me concerne personnellement, il m'est arrivé dans un passé récent d'habiter quelque part dans un endroit de ce quartier. Et je peux vous dire que je n'ai pas besoin qu'on me fasse de dessin pour dire que ce que ça va transformer dans la vie des gens qui vont habiter ici. Quitter Bingerville, parce qu'on parle des échangeurs, des trois échangeurs, on cite la cité policière, il faut leur dire que quand ils vont quitter Bingerville, pratiquement ils ne s'arrêteront plus jusqu'au plateau. Je crois que quand on dit ça, c'est plus clair. Tous ces feux qu'on croise pendant des heures et des heures, ils ne s'arrêtent plus. Ceux qui doivent passer en bas passent en bas, ceux qui viennent là-bas passent en haut. Il restera peut-être un petit carrefour caché quelque part là-bas. Bon, ça, on va régler son compte après. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vraiment régler des problèmes extrêmement importants dans cette commune qui est une commune de transit.